Attends, on va te passer le micro, s'il te plaît. Bonsoir, ça va? Oui, ça me pose question parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, après le baptême, en fait, souffrent, continuent de souffrir. Pourtant, ils arrêtent le péché, ils sont vraiment convaincus de péché. Et ils sont encore dans la souffrance. Quelle souffrance, par exemple? Quel type de souffrance? Bah, par exemple, ils sont tourmentés la nuit. Moi, je connais des. Enfin, moi, ça a été mon cas. Je connais aussi d'autres personnes qui continuent d'être tourmentées la nuit et tout ça. Ou le jour. Est-ce que toi, tu es encore tourmenté? Oui, à des moments, oui. Ok. Oui. Comment? Ça se traduit comment? Si c'est pas trop indiscret. Bah, ça c'est des cauchemars, c'est. Oui, voilà. Enfin, plus trop la nuit maintenant, mais ça peut être des angoisses ou des choses comme ça. Ça, c'est normal. Oui, mais en fait, juste pour terminer ma question, par rapport au fait qu'on peut voir des délivrances ici. Oui. Donc, c'est bien qu'il y a des chrétiens qui ont encore, bien sûr. Qui ont encore des choses. Bien sûr. En fait, pourquoi certains chrétiens sont encore possédés? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Oui, voilà, c'était... Parce qu'il y a plusieurs raisons. En fait, une des raisons, c'est que... Ceux qui se disent chrétiens, ils ne sont pas forcément. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont chrétiens. Vous voyez, nous avons un exemple dans la Bible. Simon le magicien, il avait pris son baptême. Pourtant, Pierre, il a voulu soudoyer les apôtres, hein, il a voulu les corrompre. Il leur a proposé de l'argent pour avoir le pouvoir de chasser les démons. Tu vois, non? Ouais, ouais. Et Pierre lui dira, repends-toi parce que tu as encore des enfants à la mer. T'es encore dans le péché, dans l'iniquité. Pourtant, il avait reçu son baptême. La parole nous dit qu'il ne quittait plus Philippe. Donc, il était fidèle à l'assemblée de Philippe, si on peut parler comme ça. Il était régulier, mais pourtant, il était encore dans son péché. Donc, vous avez des gens qui se disent chrétiens, qui vont dans les assemblées, dans les réunions, même ici, qui prennent leur baptême, mais ils ne sont pas convertis. En fait, ils ont fait une adhésion intellectuelle. Tu vois, non? Donc ça veut dire qu'en fait, si par exemple on est tourmenté ou qu'on a des souffrances ou des choses comme ça, il faut chercher le péché qu'on... Non, j'en arrive en fait. Je vais d'abord voilà, bien placer les choses. Donc vous avez des chrétiens qui sont encore possédés. Ils le sont parce qu'ils ne sont pas convertis. Ça c'est la première hypothèse. Hein. Donc ils ne sont pas convertis. Donc c'est pour cela que les démons sont encore en eux. Voilà. Ils fréquentent. On en a connu beaucoup. Hein. Voilà. On en rencontre beaucoup partout. La deuxième hypothèse, c'est des personnes qui étaient converties, véritablement, qui étaient délivrées, parce que la conversion égale délivrance. Le mot salut égale délivrance. Tu vois, non? Vous avez plusieurs termes grecs, par exemple, qui sont traduits en français par salut. Vous avez sozo, vous avez soteria. Ces termes-là signifient premièrement délivrance. Ensuite, salut. Tu vois? Donc, et à quel moment recevons-nous le salut? À la conversion, on est tous d'accord. Ok. Donc, à la conversion, on est délivré. Voilà. Délivré de quoi? Délivré d'abord du péché. Donc, on ne peut pas se dire chrétien tout en pratiquant le péché. Tu vois? Ça, c'est pas biblique. Non. Nous parlons ici de la pratique. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais se complaire dans le péché, pratiquer le péché, vivre dans le péché. 1 Jean nous dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas ou ne vit pas dans le péché. Voilà. Parce que le Seigneur nous a délivrés du péché. Et non seulement il nous a délivrés, mais il nous a donné les moyens de pouvoir être libérés du péché. D'ailleurs, il y a plusieurs termes grecs utilisé pour parler du salut. Parce que quand on parle du salut, il y a plusieurs mots qui font allusion au salut. Vous avez par exemple le premier, hein, donc sozo, soteria, donc délivrance ou salut. Vous avez la conversion. Vous avez la repentance. Vous avez la rédemption, par exemple. Le rachat d'une esclave ou d'un esclave. Donc tout ça là, nous parle du salut, tous ces termes-là. Maintenant, le Seigneur va utiliser plusieurs, en fait, Paul notamment, le Seigneur va lui révéler plusieurs mots grecs pour parler du salut ou de la rédemption. Il va parler de agorazo, par exemple.
agorazo, c'est-à-dire vendu au marché. D'accord ? Romains 7 nous dit que nous étions esclaves vendus au péché. Vendus sur le marché. Voilà. Donc nous étions des esclaves vendus. Et on le voit, hein, ce terme, dans Romains chapitre 7, parce que je vais répondre avec... je vais prendre le temps pour bien expliquer ces choses-là, parce que c'est capital, c'est la base de la vie chrétienne. Nous sommes dans Romains chapitre 7. Je crois que nous sommes au verset... Et on va commencer à partir du verset 7. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? À Dieu ne plaise. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Parce que sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché commença à revivre, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort ? Nullement. Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par le bien, afin que par le commandement, le péché apparaisse excessivement péché. Nous savons en effet que la loi est bonne. Hein? Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Tu vois, non ? Voilà, vendu ici, hein, c'est vraiment agorazo. Et donc, nous étions des esclaves avant notre conversion, vendus sur le marché. Voilà, nous avions pour maître le péché. Mais pas seulement le péché, les démons, le diable, tout ça. Et les coutumes, les traditions d'hommes, tout ça là. Donc, on parle ici d'agorazo, premier terme. Deuxième terme, on nous parle d'exa. Hein? Exagorazo. C'est-à-dire extrait du marché. Jésus arrive à ce marché et nous a achetés, rachetés et achetés. Et nous extrait de ce marché, délivrés. Tu vois ? Il nous a délivrés. Et comme quand il a envoyé les apôtres libérer cet anon qui était attaché. Tu vois ? Donc, il nous a extrait de ce marché. Mais il ne s'est pas arrêté là. Troisièmement, on nous parle de l'utro. C'est-à-dire délié. Voilà. Délié. On était lié, enchaîné, vendu au marché. Le Seigneur vient, il nous sort de ce marché, il nous délie. Tu vois ? Donc, et il n'y a plus de liens familiaux, ancestraux, tout ça, là. C'est fini, ça. C'est ça la croix, c'est ça la doctrine de la rédemption. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ est tellement puissant, tellement saint, tellement pur, qu'il nous libère totalement des liens familiaux ancestraux lors de notre conversion. Voilà, ça c'est réglé. Il a dit tout est accompli. C'est un sacrifice parfait. D'accord ? Voilà la vraie conversion. La personne est ainsi délivrée, mène une vie nouvelle. Une nouveauté de vie. Cette personne a expérimenté la mort et la résurrection du Seigneur. Et parce qu'elle a la puissance de la résurrection qui agit en elle, naturellement, elle produit voilà, les fruits. Elle bourgeonne. C'est naturel. Donc, le port, la production des fruits est naturelle pour la personne convertie. Parce que c'est la vie de Dieu en elle qui produit cette nature. Donc du coup, Galates 5, 22, les fruits de l'esprit sont automatiquement voilà, produits. Voilà. Et la parole nous dit dans Romains 5, 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc nous, du coup, la personne convertie va commencer à aimer ses ennemis indépendamment de sa volonté.
Tu vois ? Voilà. C'est naturel. Et c'est ça la conversion. La conversion, c'est le fait de porter des fruits. Jean 5. Le Seigneur dit, si vous êtes attaché à moi, vous allez porter des fruits. C'est ça, en fait. C'est le port de fruits. C'est pas le parler en langue, la prophétie, tout ça. Ça, c'est tout le monde peut le faire. Satan peut prophétiser parlant en langue, mais les fruits, non. Parce que ça, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu est humble. Tout ça, là. Tous ces fruits-là. Donc, les démons ne peuvent pas les produire. Tu vois ? Donc, et ces verbes-là, et la plupart, en fait, tous les verbes de toute façon biblique, hébreu ou grec, en parlant d'ici, on va parler plutôt du verbe délivrer, tout ça là, sont des verbes qui sont conjugués au présent en général. C'est-à-dire, Dieu nous sauve tous les jours. Il nous a sauvés, il nous sauve, il nous sauvera. Tu vois ? Voilà. Donc, maintenant, et nous attendons ce qu'on appelle la rédemption totale. C'est-à-dire la transformation de notre corps. Et selon 1 Corinthiens 15, nous aurons maintenant des corps incorruptibles. Voilà. Donc, et c'est ce que nous attendons, cette rédemption-là. Et voilà. Et Paul nous dit dans Romains 8 que nous sommes sauvés en espérance. Voilà. Donc nous espérons, nous attendons cette libération définitive. Mais en esprit, déjà, nous sommes libérés de tous les liens familiaux, ancestraux, tout ça. Voilà. Maintenant, pourquoi alors certains chrétiens sont encore possédés ? Pourquoi ? Mais parce que soit ils ne sont pas convertis, ils ont adhéré à un groupe de personnes, à une assemblée locale, mais ils n'ont pas rencontré personnellement le Seigneur. Et peut-être, avec le temps, un jour viendra, ils vont être touchés. Voilà. Et alors ceux, et d'autres qui sont chrétiens, ils sont possédés, oui, ils étaient certainement convertis, ils étaient réellement convertis, mais ils ont ouvert des portes aux démons, comme la parole le dit. Dans 2 Pierre 2, il leur est arrivé ce qu'un proverbe vrai dit. Hein, le chien est retourné à son propre vomissement. Hein, et la truie lavée se vautrait de nouveau dans le bourbier. Ou encore, Pierre n'a fait que reprendre ce que le Seigneur disait dans Matthieu chapitre 12, 43. Lorsqu'un esprit sort d'un homme, il va par des lieux arides, des lieux sans eau, littéralement. Voilà, c'est pas pareil. Et il va chercher du repos, il ne va pas en trouver, il va revenir avec cet autre esprit plus méchant que lui. Et la dernière condition de cette personne est pire que la première. C'est pour cela que nous avons dans nos assemblées la pire de méchanceté, la pire de jalousie, tout ça. Parce que des chrétiens étaient délivrés, mais ils sont rechargés des démons. Ils sont de nouveau persécutés, tourmentés, tout ça. Mais un enfant de Dieu qui soit tourmenté par les attaques, par les combats, oui, c'est biblique. Paul dit qu'il était au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation. Et parfois, il était abattu. Et tout ça. Et ça peut arriver à cause de la persécution. Mais de là à manquer la paix, là c'est autre chose. Tu vois ? Malgré les combats, les tourments, tout ça, le Seigneur nous donne la paix. Voilà. L'assurance. Tu vois, non ? Voilà. Mais de là à dire aux chrétiens que oui, vous êtes chrétien, né de nouveau, converti véritablement, oui, mais vous avez encore des liens familiaux, donc il faut qu'on vous suive, il faut qu'il y ait une délivrance. Là, ce n'est pas une doctrine biblique. Ça, c'est ce type de doctrine, en fait, remet en question même la doctrine du salut, l'efficacité même de l'œuvre de la croix. On n'a pas vu dans les Écritures les apôtres chasser un démon pendant 10 ans, pendant 1 an, pendant 3 ans. Ça n'existait pas. Tu vois ? Tout ça, c'est arrivé après parce qu'on a falsifié les Écritures. Vous savez, un faux message engendre des faux chrétiens. C'est ça aussi le problème. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le message que nous prêchons. Pas seulement nous, et d'autres frères et sœurs qu'on ne connaît pas dans le monde. Il y en a qui se disent, waouh, pendant des années, on a fréquenté les assemblées, mais si on était mort comme ça, on serait parti où ? Et ils ont entendu ce message, ils se sont repentis, même des pasteurs. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Mais un message tronqué est un message qui produit des chrétiens tronqués. Je ne sais pas si ça c'est clair pour... Si, c'est clair. Après, c'est vrai que j'ai encore des questions, mais je vais laisser Pas de souci, on est là pour ça. Donc, mais merci. Non, tu peux y aller, tu peux y aller. Non, c'est juste que oui, en fait, j'ai du mal à saisir pleinement. Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de chrétiens souffrir. Donc, c'est ça normal, parce que le problème, c'est que la plupart de nos églises sont paganisées. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Jésus n'est plus dans les assemblées depuis des années. Tu vois ? Regarde. Le message évangélique est falsifié, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Parce que même les écritures que nous utilisons sont falsifiées. La plupart.
Ça, on le sait. Tu vois? Donc, parce que même avec la, le travail que nous faisons de la révision, on découvre encore des choses qui ont été mal traduites. Mal traduites. Je prends un exemple. Là où Paul dit, Pierre dit que... il y en a plusieurs, des mots qui n'ont pas été traduits correctement. Il y en a plusieurs. Là où on parle de, personnes non mal affermies. Le mot est grec dans ce passage, c'est pas mal affermi, c'est instable. Bon, l'idée y est, mais c'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Tu vois? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de passages comme ça, de Genèse à Apocalypse. Donc, il y a déjà ça. Donc, le livre utilisé par beaucoup de chrétiens déjà est falsifié, mais attention, Dieu sauve toujours son peuple. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que, étant donné que la plupart de nos versions sont, mal traduites, ça produit aussi souvent des chrétiens un peu, tu vois? Et prenez l'exemple de la Trinité, par exemple. Il y a plein d'autres messages qu'on prêchait hier. Et aujourd'hui, il y en a qui sont à la Trinité, à la dot, tout ça. Ils vont trouver des passages, hein, parfois mal traduits pour justifier leur doctrine. Et les gens qui reçoivent ces eaux boueuses, là, ben, vous voyez, c'est comme des jougs qu'on met sur des gens, alors que l'évangile doit libérer les hommes. Donc il y a ça. Et puis, à la mort de l'apôtre Jean, des pères de l'Église, ce qu'on appelle les pères de l'Église, sont venus. C'était des philosophes, hein, des sophistes grecs. C'était des débatteurs grecs qui utilisaient la rhétorique, qui utilisaient la doctrine d'Aristote, le philosophe grec, pour défendre la parole. Ils ont utilisé Aristote pour asseoir les doctrines évangéliques. Et leurs écrits sont utilisés pour donner naissance, ont donné naissance à l'Église catholique, qui par la suite va donner naissance au mouvement protestant, qui a dépassé dans la paganisation même l'Église catholique. Tu vois? Et les églises dites indépendantes, de réveil, pareil, paganisées hein, pour la plupart. Donc du coup, comment voulez-vous que les chrétiens expérimentent la vraie puissance? Parce qu'il y en a, on leur dit, Dieu n'agit plus. À d'autres, on leur dit, il n'y a plus de délivrance comme à l'époque, le bonheur instantané, il faut des heures et des heures, tout ça. Donc il y a plein de mélanges. Donc du coup, il y a des gens qui sont sincères dans leur démarche. Attention, parmi des chrétiens. Mais il faut un message pur, un message clair qui libère les gens. Et heureusement que le Seigneur libère toujours son peuple, hein, pas de souci. Donc du coup, regardez le nombre de chrétiens à qui on a fait croire, qu'on fait croire encore aujourd'hui, qu'il faut qu'ils trouvent un pasteur pour être délivrés. Qu'ils ont besoin absolument d'une église locale. On ne parle pas de la communion fraternelle, mais on parle de l'église locale, c'est autre chose. On me dira, mais dans une église, on peut avoir une communion fraternelle. Mais dans nos églises, là, je suis désolé, mais c'est plutôt des usines, hein. C'est le matu vu, mais la vraie communion, le Seigneur dit là où deux ou trois, hein, il n'a pas parlé d'une foule de gens, il a parlé de là où deux ou trois s'assemblent en son nom. La communion fraternelle véritable et biblique a pour fondement le nom de Yeshua, et son nom est la parole de Dieu. Mais cette parole, elle est beaucoup rejetée dans nos églises. Comment voulez-vous que les gens aient une communion? Ils vont avoir la camaraderie entre eux. Oui, ils vont se taper sur l'épaule, ils vont se faire du bien, sur le plan charnel. Mais la vraie communion qui construit les gens, qui édifie les gens dans la foi, elle est devenue rare. Parce qu'au milieu, au centre, il n'y a plus la parole. Quand ils ont des problèmes, des bobos, ils vont chercher des pasteurs, des hommes, au lieu de chercher la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Eux, ils vont dire, mais qu'est-ce que les prophètes ont dit? Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout ça, en fait. Et c'est pour cela qu'il faut, un message pur qui vient et qui brise telle une lumière qui jaillit, de ténèbres, qui brise les liens, qui éclaire les gens. Waouh, Seigneur, merci. C'est pour ça qu'on parle du réveil. Le réveil d'abord personnel. Voilà. Donc après, des doctrines sont arrivées. Ben, tu sais, on peut être chrétien, mais il y a encore des combats. Les démons sont encore à nous. Non, je suis désolé. On a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je préfère croire ce que Dieu dit. Bien sûr. Ensuite, si les gens sont encore habités par des démons, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas à rond. Soit il n'y a pas la conversion, soit il y a une porte qui est ouverte. Tu vois? Soit il y a un manque de foi. Donc il y a la peur. Ce qui fait que les gens sont encore gérés parce qu'il y a la peur. Tu vois, il n'y a pas l'assurance. C'est ça. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, chasser les démons. Vous vous rendez compte? L'ombre. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades et les gens étaient guéris. C'est pour nous montrer que Dieu est trop puissant pour tout. Il est tout puissant. Il peut libérer son peuple. Un message qui est de Genèse à Apocalypse, à chaque fois le Seigneur envoie des messages, des messagers, les messages libéraient les gens. Le Seigneur dit à cette femme qui avait son enfant malade, va, le démon est sorti. Une parole seulement, va. L'officier romain dira au Seigneur, je ne sais pas digne pour que tu viennes chez moi. Dis seulement une parole, un mot.
C'est que nous avons un problème, c'est que c'est au niveau de la foi. En fait, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Le problème, c'est que la foi a disparu pratiquement, hein, tu vois, non? Voilà, beaucoup abandonneront la foi. La foi ici, il y a la foi don de l'esprit, foi fruit de l'esprit, foi doctrine, l'évangile. Tu vois? Comment? Voilà. C'est ça. La foi, le problème de... C'est la foi. Ce qui fait que... Ben, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont mis en place la psychologie chrétienne, la cure d'âme, la relation d'aide, tout ça, là, tu vois. Tout ça, là, c'est de la psychologie. Parce qu'il n'y a pas la vraie puissance, il n'y a plus la puissance véritable. Voilà. Il y a plusieurs raisons, en fait, à cela. Donc, il y a des gens qui ne sont pas appelés par le Seigneur, mais déjà, à la base, la doctrine même évangélique est voilée pour beaucoup. Voilà, la vraie puissance, elle vient de la parole. Mais cette parole, regardez comment elle est de plus en plus falsifiée. Non, pas du tout, parce que... Non, d'abord, à la base, c'est le livre qui est utilisé, qui est falsifié. Pas toutes les versions, bien sûr. Oui. Non, mais ça, c'est clair. Mais déjà, à la base, après, ça, c'est une autre raison. C'est une autre raison, effectivement, comme tu le dis, c'est parce qu'ils ne sont pas appelés. Et d'autres sont fonctionnaires. Mais à la base même, c'est le livre qui est falsifié. C'est voulu. Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Tu vois, cette parole a toujours été menacée. Et c'est pour ça que le Seigneur a associé des gens dans l'histoire de l'Église pour réviser la Bible, comme des gens comme Martin, comme Osterwald, tout ça. Parce que c'est... Après, il y a d'autres raisons. Il y a des gens qui ne sont pas appelés, qui sont fonctionnaires, et d'autres qui ont des réponses, mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont un salaire. Tu vois, comme dans Jean 12, le Seigneur disait, beaucoup parmi les chefs avaient reconnu qu'il était le Messie, mais ils n'osaient pas le déclarer publiquement, le confesser publiquement, parce qu'ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Donc il y a plusieurs raisons. Voilà. Il n'y a pas seulement une seule raison à cela, mais il y en a plusieurs. C'est tout un... Voilà. Un ensemble de choses. Il y a effectivement des gens qui ne sont pas appelés. Donc, comme ils ne sont pas appelés, la révélation n'est pas donnée à tout le monde. Donc, ça, c'est clair. Ils peuvent lire la Bible, mais ne pas la comprendre parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Voilà. Oui. Merci. Moi, je disais que la parole de Dieu nous dit lui-même que nous allons souffrir. Dans 1 Pierre 4, au verset 1, il nous dit de nous préparer à souffrir parce que lui, il a souffert et donc nous aussi, on doit souffrir. Donc, qu'on le veuille ou non, on est appelé à souffrir. Christ a souffert, donc nous aussi, on va souffrir pour arriver, pour atteindre le but comme Paul aussi, il a souffert. Voilà, mais la soeur parlait de tourment par rapport aux démons, voilà. Tout ce qui est possession démoniaque. Oui, mais elle parlait d'angoisse et de tout ça. Voilà. Forcément, l'angoisse, voilà. Plus par ça, la possession démoniaque. D'accord. Pas la souffrance par rapport à la croix, okay. Par rapport à la foi chrétienne, non. Plus d'accord. Par rapport aux démons. Et voilà.